Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux petites expositions d'une artiste étrangère dans une banque à Nagoya. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que pourriez-vous vous présenter et parler de votre style, vos dessins s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Yuning Lawrence, je suis née à Hong Kong. Mais j'ai vécu dans plusieurs pays avant d'arriver ici au Japon, notamment à Singapour, où j'ai appris la peinture auprès du maître, M. Lai Swee-Lin. M. Lai Swee-Lin, bien sûr, c'est un très très grand maître de peinture chinoise. Et il est la quatrième génération du grand maître Wu Chang-Suo de l'école Shanghai du début du siècle, 20e siècle. Donc, les racines de mon style, en fait, ça vient de ce style de Wu Chang-Suo. Surtout si vous voyez les bambous ou les pins et le prunier, ouais, vous pouvez retrouver un peu de traces de Wu Chang-Suo. Aujourd'hui, je présente juste les peintures noir et blanc et le titre, c'est la joie de noir et blanc. Voilà. Et la deuxième exposition de Madame Lawrence. Bonjour. Donc aujourd'hui, on continue mon exposition. C'est le deuxième épisode dont le thème est les joies des couleurs. Donc j'ai essayé de mettre des tableaux qui collent la saison aussi. On vient de commencer l'année du bœuf là. Là maintenant c'est la saison de prunier. Je vais mettre les jaunes comme le chrysanthème. Et là j'ai mis un fond vert, bleu, ouais, turquoise pour les orchides. Là, j'aimerais aujourd'hui approfondir ce que j'ai dit la dernière fois, mon style. C'est quoi ce style de Wu Chang-Suo? En gros, on peut dire que c'est d'exprimer la pensée de peintre. C'est un style libre, interprétatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on oublie un peu les détails. Et on capture juste l'essence des sujets. Voilà. Et c'est des traits très, très vite, rapides. Donc, par exemple, ici, c'est un trait. Le pinceau est imprégné de plusieurs couleurs. Voilà, et j'essaie aussi de mettre les verres ou un poème entier s'il y a assez de place. Bon, ici c'est un peu dommage, il n'y a pas assez de place, donc j'ai mis celui-là, il y a deux verres ou un verre. Voilà, et bien sûr, il y a ma signature ici avec tampon, morceau à côté, j'ai plusieurs tampons, donc on voit ça et ça, et tous les trois sont différents. Et le papier? C'est le papier de riz, on dit comme ça, mais ça ne se fait pas avec du riz. Et au Japon, on trouve de très bons papiers, très bons d'encre, très bons de couleurs. Donc, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est ce style Shei. C'est en fait exprimer les pensées. Voilà. C'est un style rapide, spontané. Donc, le peintre, il faut que le peintre soit confiant en soi. Et parce qu'on met un stroke, un trait, tout de suite, et on ne corrige pas, on ne met pas de détails, tout est là. Voilà, donc le tableau se fait très très rapide, en général, quand on maîtrise.